Hey, salut à tous et à tous, c'est Car et on se retrouve pour une nouvelle vidéo défi Fortnite. Et aujourd'hui on va faire du coup le défi signaler les copains du corail. Donc 0 sur 3, il y a 3 coraux du coup à signaler. Donc on va devoir spawn, vous vous en doutez bien, du coup à Coral Castle. Et du coup il y a 3 coraux, je vais vous montrer du coup leur emplacement. Avant toute chose, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne YouTube, ça nous ferait extrêmement plaisir. En plus on est en train de vous aider, donc n'hésitez pas à nous aider en retour en montant du coup le nombre d'abonnés. Alors les poteaux aussi, on a un petit code créateur, merci à tous ceux qui mettront du coup ce code créateur dans la boutique et qui prendront le temps de le faire, voilà, donc merci à tous, B-O-K-U-N-I, n'hésitez pas à venir dans les commentaires si vous l'avez mis, je répondrai à votre commentaire en vous remerciant personnellement du coup, voilà, et on va partir sur le défi, let's go. On se retrouve sur la map Fortnite, mais avant toute chose les poteaux, avant de vous montrer le défi, n'hésitez pas à vous abonner à Wax Kyle et Légende, du coup c'est un membre de la team Fatalis qu'on représente avec moi et plusieurs membres de la team. Donc voilà les potos, je m'engage sur cette vidéo à si il atteint les 7000 abonnés grâce à nous. Donc voilà, vous mettez hashtag écart sur ces lives ou ces vidéos. Et bah tout simplement les gars, si vous arrivez à faire 7000 abonnés à Wax Kyle Légende, je m'engage à mettre un skin par personne qui aura commenté cette vidéo. Et je pense que ça va me coûter très cher, mais je pense aussi que le défi est bien coriace. Saurez-vous le relever ou non? On va voir ça. Et voilà, du coup, on atterrit au premier emplacement, du coup, des coraux. Donc, je vous rappelle qu'il y en a 3 à signaler. Et du coup, voici le premier. Il est juste en dessous de cette plante violette assez imposante. Et je vais vous montrer un petit peu plus les endroits. Donc voilà, tout simplement, je suis à Coral Castle. Et on peut voir que du coup, la première plante à gauche, c'est du coup le premier emplacement des coraux. Donc voilà, ça se présente un petit peu comme ça. On peut voir un corail un petit peu bleuté. Donc voilà, on peut voir une très très grosse lumière. On ne peut pas le louper. Et donc voilà, je vous montre un petit peu du coup l'endroit. Donc là, c'est le siège principal du coup des coraux, d'accord. Et du coup, là, on fait signaler. Et du coup, alors on va voir 1 sur 3. Donc là, je ne vous quitte pas parce que du coup, il y a un deuxième endroit très très proche. Donc voilà, autant y aller tous ensemble. Hop, on peut voir que du coup, il est juste là-bas. D'accord, je le vois d'ici personnellement. Donc voilà. Alors, il est juste ici. Donc on peut voir encore une fois, donc le premier corail était là-bas. Du coup était là-bas. Du coup plante violette. Donc encore une fois, voilà le bâtiment central. Ok, je vais vous montrer vite fait sur la map où est-ce que ça se trouve. Donc voilà, le premier était là. Là le deuxième est juste ici. Donc on peut voir qu'ils sont juste à côté les uns des autres. Donc voilà, on va signaler encore une fois. Donc voilà 2 sur 3. Et du coup le troisième est tout au fond là-bas. Donc je vous fais un léger cut le temps d'y arriver. Et voilà du coup le troisième, donc voilà rien que le temps de vous parler, du coup la zone a pu s'installer, donc on peut voir encore une fois, donc voilà les deux premiers coraux étaient ici, donc voilà c'est un petit peu difficile à distinguer avec la map, je suis désolé, donc voilà le premier corail était ici, le deuxième était juste là, d'accord, et là on est complètement à l'opposé du coup de Coral Castle. Donc on peut voir un petit peu ici, on peut repérer du coup au petit ponton qu'il y a là, d'accord. On a du coup le premier bâtiment là, d'accord. Et on peut voir du coup le bout du requin juste ici, d'accord. Donc là on fait signaler et du coup on aura fini notre défi. Donc voilà, let's go. Donc voilà, Agglouglou terminé, signaler les coraux, donc 3 sur 3. Et vous avez du coup 20 000 d'XP ou 25 000, j'ai pas eu le temps de voir. Et du coup voilà, le défi est terminé. En tout cas j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à la chaîne YouTube. Vraiment, donc voilà, ça nous aide énormément. Et en plus j'espère que je vous ai énormément aidé avec ce défi là. Donc voilà, essayez de nous rendre un petit peu l'appareil avec juste un petit clic pour l'abonnement et le like, ça nous ferait extrêmement plaisir. Sur ce en tout cas, moi je vous dis ciao, bye bye, portez vous bien et puis c'est tout. Et on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.